la manière que tout le monde a parlé de Dieu, lorsque nous avons fait la lecture de la parole de Dieu. Nous trouvons la lecture de la parole de Dieu dans le livre des Romains, du chapitre 12. Nous lisons le verset 9 jusqu'au 21e verset. Romains chapitre 12, verset 9 au verset 21. Amen. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au mal. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, vous y de prudence. Ayez du zèle et non de la paresse. Amen. Soyez fervent d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Amen. Amen. Vous voyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Vous cherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, élevez, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si la soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais souvent le mal, par le bien, et notre bénédiction.